Les gagnants de la grande tombola, lancée depuis le 1er octobre 2021 par le centre de lavage à Mounsa Jolissoakawoche, sont connus. C'est à travers une cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée sous la supervision des responsables du centre. C'est une première dans un centre de lavage. Le promoteur l'a fait pour encourager ses fidèles clients qui ne cessent de venir malgré les temps durs que tout le monde traverse. Ils viennent quand même faire laver leur voiture. Donc pour reconnaître cette fidélité à leur endroit, c'est pourquoi il a organisé ce tirage pour que les propriétaires de voitures, de motos, quand même partent avec un lot afin de pouvoir fêter dans de bonnes conditions avec leur famille. Au titre du tirage, 12 clients sont repartis chacun avec un coffret de présents. Franchement parlant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Sincèrement, je vous dis merci. Je vous encourage à faire plus que ça pour attirer la clientèle. Et je demande tous ceux-là qui ont des motos, des véhicules, en tout cas tout ce qu'on peut laver dans un lavage, de faire pas ce lavage. Vraiment, toutes mes félicitations à vous. Nous avons prévu du riz, de l'huile, des boissons, à savoir du vin, il y a des canettes, il y a du spaghetti, en tout cas tout ce qu'il faut pour que la fête soit belle. En dehors de ses clients, Jolissoakawoche a également partagé ses bénéfices avec son personnel en leur offrant des kits alimentaires et autres récompenses. Nous remercions le PDG qui nous a offert ce grand cadeau. Et nous remercions encore les amis de l'île de l'Ouverture jusqu'à Sézou. Et nous permettons encore de bien serrer et de bien faire les travaux en bonne et due forme. Et de remercier tout un chacun de nous ici. J'interpelle toute la population de Maria Greta et environ de venir au lavage Jolissoakawoche qui ne seront pas déçus de la prestation. Audi des responsables du centre de lavage à mousse Jolissoakawoche, situé à quelques mètres du carrefour Maria Greta, non loin de la mosquée en allant à Womé, la grande tombola se veut pérenne et une moto est prévue pour l'édition 2022.